Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui. Où nous sommes, à quel jour aujourd'hui? Excusez-moi, je cherche la date pour ne pas me tromper, pour que vous sachiez effectivement quand est-ce que nous avions enregistré cette émission. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 26. Nous sommes le 26 novembre 2023, à quelques jours, à moins de 22 jours des élections de ce mois de décembre, parce que c'est dans 4 ou 5 jours où nous allons entrer dans le mois de décembre, le mois de tous les enjeux où le peuple congolais devrait aller aux urnes pour se choisir un nouveau leader ou reconduire Moukouan-Tombolo, le président Fatih Béton, ou à choisir quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes là pour m'écouter et pour essayer un peu de vous renseigner sur ce que je pense de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je voudrais vous rappeler une chose, que l'émission Contact Pro Live, c'est une émission d'éveil patriotique, c'est une émission d'abord éducative, où nous martelons sur la bonne gouvernance, comment est-ce que notre pays se trouve dans une imbroglio où on ne sait pas est-ce que c'est un État ou bien c'est un empire ou bien c'est un royaume. Alors nous avions créé cet espace juste pour réveiller votre conscience, attirer votre attention sur ce que nous pensons que le système qui doit être mis en place. Ok, beaucoup de gens se sont abonnés sur cette chaîne. Beaucoup de gens m'appellent. On cause sur Facebook, sur Space. Nous avions eu l'occasion de rencontrer même les grands, ceux qui postulent pour cet électorat, donc cette magistrature suprême au courant de cette campagne électorale qui a commencé depuis le 19. Nous avions parlé et nous avions suggéré notre point de vue sur la gouvernance, sur ce que nous pensons le Congo de demain. Et nous nous sommes dit, ici à Contact Pro Live, nous réfléchissons justement pour des solutions qui peuvent être applicables. Et parmi ces solutions-là, depuis 2019 et 2020, autour de ces années-là, nous avions parlé du projet de 145 territoires. Nous avions parlé de ce que je continue à marteler, de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Alors, l'émission d'aujourd'hui tournera tout autour de cette rétrocession, autour disons, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Mais nous allons beaucoup plus analyser ceux qui veulent diriger notre pays demain. Nous allons essayer un peu pas de recadrer, mais donner notre point de vue sur certains de ces programmes. Nous avons vu beaucoup de gens, beaucoup de candidats qui sont partis de l'Est à l'Ouest, les quatre grands majeurs candidats, bien sûr, parce que les autres ne font que leur campagne sur les réseaux ou bien sur des radios. Mais les autres qui sont sur terrain, nous en avons tout simplement décelé de quatre. Il y a Félix Tshisekedi, Katumbi, Mukwege, Martin Fayulu et timidement aussi, nous pouvons ajouter à cette liste ce qui le monsieur que je compare, que je dis qu'il a le ton de Mobutu, c'est Délice Sanga. Nous allons parler donc de ces quatre candidats tout autour de ce programme, notre programme à nous, qui est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Alors, comme tout d'habitude, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Béni, un militaire tué par un Wazalendo. Élection 2023, le cardinal Ambongo Fideli prédit le chaos. Et puis, campagne électorale en RDC, Katumbi et Tshisekedi en tête de liste. Actualité.cd, Café Dodo, une icône de la chanson éducative congolaise, tire sa revanche. À Butembo, Moïse Katumbi insiste sur l'indemnisation des opérateurs économiques dont les activités sont touchées par les attaques des ADF. RDC Matata dénonce la hausse du taux d'échange et acquise le pouvoir en place. Congo profond, analyse de la première semaine de campagne électorale et présidentielle en 2023 en RDC, une déception généralisée.
RDC a désormais son cadre d'action multisectoriel et intercluster relatif au VIH en situation humanitaire. Fali, Poupa, Paris, Yuarena, La Défense, 12 personnes interpellées en marge du concert. 7 sur 7, présidentielle, Matata Ponyo appelle la population à voter massivement pour le Moïse Katumbi. Et puis, Kassai, des blessés et des maisons incendiées dans un conflit communautaire à Ilebo. Et puis, présidentielle à Guémena, Félix Tshisekedi vante ses réalisations qui ont permis de relever le pays malgré les tumultes politiques. On termine par Radio Okapi. La RDC jouera un rôle important dans la perspective de la zone libre-échange continentale d'ici 2045. Équateur, l'ONG APEE condamne l'utilisation des enfants dans la campagne électorale. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, l'actualité est prédominée par le déplacement d'abord de Félix Tshisekedi vers le pays dans les autres conférences, suspendant son campagne électorale. Il y a aussi les tours de Moïse Katumbi à l'est de la République démocratique du Congo, les péripéties que Moïse Katumbi est en train de raconter, la non-vouloir de distribution de vivres à Goma que Katumbi a laissé. Il y a aussi Mukwege qui a été à la place de l'indépendance à Bukavu. Il y a l'empêchement. Il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment dans ce dossier-là des élections. Mais, comme je vous avais dit, qu'est-ce que nous parlons? Quel est l'essentiel du peuple congolais? Qu'est-ce que le peuple congolais recherche? Quel est le réel problème du peuple congolais? D'entrée, je vais vous dire que ce qui nous préoccupe en République démocratique du Congo, ce qui empêche notre développement, c'est notre désordre d'abord. Ba désordre o eza na mboka na biso nde ezali frein ya développement ya mboka na biso. Et ce désordre là, je ne sais pas si d'autres appellent ça la démocratie, d'autres appellent ça le libertinage, l'enrichissement illicite qui est devenu un mode principal en République démocratique du Congo. Nous voyons l'égoïsme. L'égoïsme vient de quoi? C'est justement de la mégestion de notre pays. L'égoïsme vient de quoi? Les richesses de notre pays ne sont pas redistribuées à tout le monde. Nous avons vu qu'il y a un esprit d'égoïsme. Et cet esprit d'égoïsme a engendré le tribalisme, a engendré tous ces désordres-là. Et finalement, ce qui devrait exister, qui est l'État n'existe plus. Mutuna mutu soka kotika na l'état akeko sala pona yemoko. Si c'est un ministre qui est nommé au gouvernement, il va tirer quelques 2-3 personnes en disant que je représente ma communauté, oubliant que c'est la communauté qui devrait en bénéficier. Ce n'est pas lui, ce n'est pas les 3-4 personnes derrière lui. Vous allez entendre que non, nous ne sommes pas représentés au gouvernement. Ce n'est pas les hommes finalement. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas le fait d'être dans le gouvernement ou bien à l'Assemblée nationale que notre communauté en bénéficie. Et nous avions vu aujourd'hui l'erreur que nous avons commise, c'est que ces mêmes députés-là, ils viennent vous tromper en disant que moi, c'est moi qui va aller faire quelque chose pour vous, c'est moi qui va aller être votre enfant. Ngande nazande konabino, nga mwana nabino. Vous entendez ça dans les campagnes électorales et ça fait très mal. Alors nous avons vu cette vague, cette idéologie d'égoïsme envahir jusqu'à la place publique où nous pensons que le chef, c'est celui qui est le chef de tout le monde. Sa parole, c'est une parole d'évangile. Quand le chef a dit, personne ne peut le contredire. Les institutions sont caporalisées par cet homme-là. C'est cette institution présidence de la République qui fait envie à tout le monde de postuler. Moi aussi, je voudrais devenir chef pour que le Congo m'appartienne. Ce Congo n'appartient pas à quelqu'un. Mboka o eza mboka ya mutu moko te. C'est pour cela que ici nous militons pour que nous ayons un changement. Le changement, c'est quoi? Le changement, c'est que nous puissions avoir un État qui gère les hommes.
L'État doit gérer les hommes. Bandeko, Oana ezali sije moko otoza kobete la awa mikolo nyonso. Aujourd'hui, le pays appartient à Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui doit dire, qui doit définir, qui a la Cour constitutionnelle, qui a la CENI, qui a le Parlement. C'est lui. Regardez les exemples. On n'a pas terminé le tas de sièges là-bas parce que Fatih n'a pas voulu. Donc, nous avions vu un pays qui est « captured », comme on dit en anglais ici. Les Sud-Africains ont défini ça de « state, capture state ». On a pratiquement, on nous a capturés à partir de l'État. Et c'est cette fonction présidentielle qui est enviée. Et lorsque vous arrivez là-bas, vous vous retrempez toujours dans ce qui est « on va vous coopter par ces multinationales, par la communauté internationale, par ce qui est des dirigeants de ce monde à vouloir nous traîner comme des esclaves. » Et c'est ça ce que nous combattons ici à Contact Pro Live. Vous allez voir, Félix Tshisekedi en venant au pouvoir, nous avions demandé à Félix Tshisekedi, pardon Félix, c'est au Bandela zéro. Ça disait quoi Félix? Ça disait que nous devons rétrocéder le pouvoir au niveau de la base, à reconstruire le Congo pour que le Congo puisse se retrouver, pour que le Congo puisse... Ba Congolais, ba yeba ke no bazalaka, ya bango mon côté, ce n'est pas que moi quand je suis député, donc communauté nangaye komi yangaye te. Et d'ailleurs, la fonction du député a été désacralisée. On pense que non, moi lorsque je serai député, je viendrai vous construire les ponts. Je viendrai vous donner ceci. Moi si je suis ministre, je vais baisser les dollars. C'est tout un mécanisme. Ceci reflète combien notre État n'existe pas. Et c'est cela que nous avons dit, il faut absolument qu'il y ait un souffle nouveau, que nous puissions avoir un mécanisme malin, bien sûr. Nous devons rétrocéder le pouvoir au niveau de la base tout en étant un pays dans le monde. Nous devons coopérer avec les autres. Nous avons vu Tshisekedi aller signer des pactes. Il est parti signer des accords avec d'autres pays qui nous considèrent comme un marché. Nous avons vu Félix Tshisekedi prendre ses engagements-là sans passer par le Parlement, sans respecter quoi que ce soit, parce que le pays n'existe pas. Les projets ont été discutés comme ça, on prend l'argent, on va financer, on va faire des projets, Chile, Gelou, tout ça. C'est ça le désordre qui continue à gangréner dans notre pays. Et nous ici, nous nous sommes dit, nous allons continuer à vous expliquer que ce n'est pas de cette façon-là que notre pays se développera. Même si aujourd'hui, nous pouvons avoir des candidats valables qui viennent et nous racontent des histoires, nous nous disons quelle est la chance que nous puissions rentrer vraiment dans un processus où le pays sera mis sur le rail du développement. Sera-t-il la volonté d'un homme? Sera-t-il? On nous donnera beaucoup d'argent pour ça et puis acheter notre indépendance. Parce que si nous élisons, nous mettons à la tête de notre pays, dans cette configuration ici d'aujourd'hui, quelqu'un qui sera à la merci des lobbies étrangères qui pompent beaucoup d'argent à cet homme-là en disant que Toko Somba ba Congolais wana, Toko kende ko bongise la bango, Toko kende ko meta ko tchaka peinture pourvu que nous puissions avoir ce que nous voulons. Qu'est-ce que les étrangers, qu'est-ce que les communautés internationales veulent de notre pays? Pourquoi est-ce que Kagame continue à être un agent de l'étranger pour qu'il puisse venir nous maintenir dans cette histoire ici de caporaliser et que le pays ne se développe pas? La conscience du peuple congolais reste là-bas. Est-ce que c'est l'argent? Parce que baye bibi sokaka ke naba musique, baye bibi sokaka naba na biloko moko ya légère, on ne construit pas un pays en étant esclave. Nous devons nous libérer, nous devons nous prendre en charge, ce que Tien Tshisekedi disait. Nous devons nous prendre en charge. Et se prendre en charge, nous devons nous mettre d'accord. C'est ainsi que moi j'ai toujours dit ici que ça ne sera pas un homme qui viendra reconstruire le Congo. Non, ça sera tous les Congolais qui se mettront au travail, qui se mettront ensemble pour qu'ils puissent commencer à reconstruire leur pays.
les contrats ou bien les accords que nous signerons seront à la bénéfice de qui? Et ces accords-là devraient être analysés par le peuple congolais. C'est ainsi que nous, en 2019, nous avions conseillé à Félix Tshisekedi, « Please, Fachi, tobandela à zéro. » Et c'était dans quel but? C'était dans le but de rétrocéder le pouvoir au niveau de la base, pour que la base se prenne conscience et que nous puissions réécrire une nouvelle constitution Bandeko. Parce que la constitution à l'élo, toza comme on a le président de la République, Ndemo Konzi. Yangwana toza kozala na bakokoso ebele tango tozo kene na ba election boye tozo luka mutu nini yango est-ce que zande konabiso est-ce que za biso nde toza na bokonzi est-ce que même si mutu ana za na bokonzi prenons l'exemple aujourd'hui Fachi est au pouvoir ça fait 5 ans est-ce que quel est là qui a bénéficié sa communauté communauté abaloube bénéficié nini si ce n'est que certaines personnes deux ou trois personnes mais le Kasai a bénéficié quoi allons-nous encore aller dans cette optique-là d'élire quelqu'un de chez nous parce qu'il va développer chez nous. Nous avons eu les tendances. Il y a Koloba Keno, Matata, Tangwazala qui premier ministre, à Tonga qui université na Kindu, à Tonga qui boya, Bongisa qui Kindu. Allons-nous encore dans cette ambiance-là? Bandeko, mboka na biso ezo senga ke biso nyonso toza la ensemble. Et puis mutu oyo tozo ko kanisa, batu oyo tozo ko kanisa, bakoya ko kamba biso, eza batu wana bazana esprit ya koloba, ezangai Moïse Katumbite. Moi je veux faire en sorte que vous preniez en charge, que vous connaissiez que po oyo toto botongi awa, eza po na bino mbongo nango euti wapi. Mbongo oyo eza kotonga université oyo euti wapi? Est-ce que zan kitana bino? Est-ce que bino moko boza conscient que eloko eza ya biso ou bien mutu moko kaka ye na mbongo alobite na kotongela bino biso bino boye? Mais eloko oyo azozwa na sima eloko wana boye bi yango te. Qui a posé la question que ba matela oyo ba biloko nyonso katumbi apesi na goma mbongo euti wapi? Les Congolais ne se posent pas cette question là. Nous avons vu le projet. Le projet Yamiso. Francophonie, Totongi Boye, Tosali Boye. Botala ba stade wana nengeni ne salemi. Lelo oba maye komi na stade. Est-ce que ce n'est pas des trompeurs qu'on est en train de nous mettre aux yeux pour nous acheter, pour acheter notre indépendance? C'est ça les questions que nous devons nous poser. Et qui est cet homme-là? Ou bien le groupe de ces hommes-là qui vont travailler en disant, voilà, nous allons mettre en place des structures, nous allons reconstruire l'État, qui va nous gérer tous? Et cet État-là, qui sera contrôlé? Il n'y aura pas de corruption, il y a l'État des droits, l'État se fera les choses. Imaginez que nous sommes pendant 60 ans, nous n'avons jamais arrivé à digitaliser. Pendant qu'aujourd'hui, nous sommes au temps de numérique, mais nous ne parvenons pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'État. Il n'y a pas Batuo, basant la conscience que Mboko est en gâté. Après moi, le Congo existera. Batuo n'a pas été. Mobutu nous avait dit que après moi, ça sera la déluge. Parce qu'il savait que tous les pouvoirs lui appartenaient. Et donc, Mutumusu soit à cause de la carrière, à cause de diriger Congo, et à cause de la délige, toko bunda. C'est ainsi que, Nazo Pesabino, exemple, moko. La Belgique a fait beaucoup de mois, sans même un premier ministre, mais le gouvernement, ils allaient qu'ils aient ça là. Mbabilo, ils ont ça la malam. Mais chez nous, il suffit que le président n'a pas dit un mot. Biloko nyonso ekangami.
Pourquoi? Parce que le pouvoir est concentré na maboko moko eza na place moko. Et ba tout nyon so tout biso nyon so tout ba congolais comme des moutons de panurge toza ko sapote. Ah oh non, mu kwantombolo, ah Katumbi numéro 3, oh mu kwege tout ça. Ngana za ko élever conscience na bino bandeko. Oh toza ko kende na ba élection poto kota na sujet wana ba élection. Je vous dis qu'il y a une chose que nous devons regarder na batu o ba postilaki. Il y a 26 candidats. Donc maintenant aujourd'hui, il y a 21 candidats wana mutu na mutu azolo ba ya lingi kosala boy. Ya lingi kosala boy, ya kosala boy, ya kosala boy. Nous avons vu que tous ces 21 candidats, est-ce que bazana ba moyen moko ya kosala campagne électorale? C'est difficile de faire la campagne électorale au Congo sans argent. Soko zana mbongo te, okoki kosala campagne te. Ça c'est impossible. Soko zana moyen te, okoki kosala campagne te. Nous avons vu la machine Katumbi venir avec beaucoup d'argent, des avions. Il conscientise batu nyonso akekotoyo alobi ngai na kosala boy botala mutwana sala kibo ba mafinga ekoti na kati batu na batu azo finga na oh yo za congolais te yo za libo. C'est du désordre, eza désordre moko. L'état congolais ne sait même pas contrôler batu wana ba mbongo ya ba campagne bazozo ango wapi. Ils ne connaissent pas. L'État ne contrôle pas ça. Bandeko, quand on va dans les élections, dans les pays organisés, on contrôle, toujours contrôlé. Mbongo, okosala élection, et utaki wapi. Mbongo, okosala nangobo, et utaki wapi. C'est ainsi que dès le départ, il y a quelques des émissions, moi je me suis dit, ça n'a pas d'importance d'aller aux élections dans cette ambiance ici. Et j'avais même demandé au président de la République, revenez au projet des 145 territoires afin de rétrocéder le pouvoir au niveau de la base, pour que la base s'organise, pour que la base puisse prendre conscience à Koloba. Mboka na biso ezo kende mabe. Toza inclus na gestion ya mboka te. C'est ainsi que nous avions suggéré en disant, Bape Sata 50 millions na chaque territoire. 50 millions na kozala na nini. Et asseoir pays na ndenge ya réconciliation nationale. Que le pays puisse s'asseoir sur une réconciliation nationale, sur une cohésion nationale, toyebana. Ba tuto tika makambo ya kolobake. Yo komi awa ndenge nini. Qu'est-ce que tu as fait? Likambo ya chance loko pamba esila na République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous avions proposé ce chemin-là ya koloba. Projet à 145 territoires. Ezali projet oyo batuna katia ba territoire. Na ndenge toyebani na ndenge ya ba territoire. To vanda, to sololana nu likambo ya gestion ya territoire na biso. Comment awa tokokito zana nkita nini awa. Mais nous ne parvenons pas à construire les ponts. Est-ce que toza na territoire na biso fonctionne kandenge nini? Et cela nous avions dit le problème le plus criant que nous devrions faire, c'est ces ensembles là qui devraient être comme ce que nous avions appelé dans l'état lorsque les conférences nationales souveraines et Salemaki et Zalaki que ba résolution wana na katia ba territoire ezala vraiment ezala souveraine que peuple a s'exprimer à l'oba biso na likambo ya gestion ya mboka ya territoire na biso to banzi ke toko contrôler d'abord économie na biso toko contrôler sécurité na biso toko contrôler loko na biso yango na to pesa ka programme to lobby mission ya ba 145 territoire wana ezali kosala ebauche ou bien draft moko ya constitution et puis deuxième sujet donc deuxième eloko ya ko identifier population na kati ya ba base ya koyeba. Ici dans le territoire de Mwenga par exemple, nous sommes 400 000 habitants et voici ce que nous avons, voici ce que le peuple qui nous constitue, voilà nous avons identifié autant de personnes, ba commerçants baza combien, ba si baza combien, tout ça. Et c'est cela sur ces données là ne ba état actuel moderne et bazaka ba projet na bango. Vous n'allez pas construire, je ne sais pas, une grande université dans un milieu où on n'en a pas besoin. Et puis batouana ba yebite mbongo wana outi wapite. C'est ça le projet de 145 territoires dont nous parlions ici. Nous avions dit que projet à 145 territoires elinga kezwa epesa biso cohésion nationale et indika biso que non ba congolais ba yebani
toyebi sikoyo to tozwi mokano ya kotonga mboka na biso ya kotonga leta na biso oye kokamba biso leta na biso nde kotika la kaba tuba koleka kabandeko. C'est une parenthèse encore que j'ouvre. Les hommes vont partir. Félix Tshisekedi a koleka, même si Katumbi lelo, même si Mukwege totie lelo. Mais ce qui a yena idée wana ya koloba ngande mokonzi, comme la constitution actuelle lui donne tout le pouvoir, mboka na biso ko kenda kaliboso te. Nous aurons toujours à continuer avec ce même cycle. Le président Tshisekedi avait cet pouvoir-là, avait cette volonté-là plutôt, ya koloba ke non, corruption est si là. Corruption, ça, la boété. Mais il ne pouvait pas contrôler l'Est de la République démocratique du Congo. Tellement que Batuo, Ngao, Ngao, on a benga kabanguna ya Congo, oh, bisomoko ba Congolais, oh, toza kolinga, to pérenniser Babilo, kwa na koloba keno, mokonzine mtwa kosa la boété. Mais entre-temps, derrière son dos, il y a des gens qui volent. Il y a des gens qui continuent à piller le pays. Batuo na Bazali. Est-ce que nous sommes sûrs vraiment? Qu'en mettant Katumbi au pouvoir, ba députés provinciaux, ba kosili sa koyiba, ba minere na Katanga. Batuo ba kosili sa koyiba, ba minere na Est la République démocratique du Congo. Katumbi sera capable de contrôler tout le pays. Katumbi ata azako kende kuna nyoso azako rassura tokotonga. Il faut atonga avec Bino. Il faut organiser mboka à ce que l'État ezala na Kamituga. L'État est à la na boende. L'État wana na boende za constitué ko za la constituer na bana boende o ba ebi ke na boende to za la kana boa awa to za la kana nkita na biso awa nkita o epesa ka ota awa na région na biso na territoire na biso to za ko gérer ota bien na province na biso to za na to produisa ka ota. Aujourd'hui, je vous dis, il est impossible aujourd'hui qu'un gouverneur puisse vous dire combien il donne au pays, donc au gouvernement central. Il ne connaît pas ça. Bah, département Moussous, même, oh, écoute, je ne dis pas que, c'est que ça doit être comme ça, mais je dis que, tout haut, il y a na katia ba province, il faut bailler, ba ni nyango ba zalaka na yango, nani a futaka nani, nani a zalaka wapi, nani a zalaka contribuable, nani a salaka moussala nini. Beaucoup de gouverneurs ne savent pas ça. Mais nous sommes dans un pays de non-État. C'est ça qui tue notre pays, Bande Konangaï. C'est ça qui tue notre pays. Et c'est comme cela que nous nous sommes dit. Namkatia maponami oyo, exactement oyo, bisogno, il faut tout élever conscience na biso koloba. Batu oyo bazo yela biso ba projet de société na bango. Par na biso eza wapi. Parce que nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons aujourd'hui nous définir. Ou soit, nous continuons, comme Félix avait dit, nous continuons avec ce que nous avions commencé. Donc, les vols, les détournements, la construction des édifices trompe-œil, na kotongela bina bo bâtiment. Mais le bâtiment a un impact sur la vie des Congolais à Wapi. Stade Oba Tongi na Kinshasa, et que ça impacté na Mutuaza na Beni Ndengeni. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Le projet de 145 territoires devrait être un projet global. Et même, Elinga qui est résoudre ba makambo insécurité na Est Kuna. Parce que, Batou ba Simba Mandoki, Balinga qui ba kota na processus moko ya koloba, tozo changer mboka na biso biso nyoso. Toyebani, mutwa koyiba muningate, mutwa kolekela muningate, intérêt eza ya mboka, eza ya ngaite. Mais aujourd'hui, l'intérêt est sur des personnes. L'intérêt est sur les personnes, Bande Konangaï. Eza batu. Batu nde kaka baza ko linga kaka ngai na zalawana, ngai nde na ko salaboye, ngai mtu na ko zalaboye. Regardez, écoutez même les discours de nos députés. Ngai nde mtu na bino, ngai nde mwana na bino, botala, soki nga na ko zala représenter kuna. Nous avons besoin d'un nouveau Congo où le Congolais devrait se retrouver. Ou ce qui te lobby, office de route, Eza Kosala, Eza office de route, Eza redevable na mission na ye. Ce qui mission en est simbité, donc il y a quelque chose, nous devons faire à ce que ces institutions, donc je veux parler un peu en général, que ces institutions-là marchent. Comment nous pouvons être dans un pays où nous n'avons pas un permis de conduire? Et là, quoi n'est qu'aux alandes et n'y a tout le temps où il y a un bon, ok, awa to sali boye, awa biso to zwa kambongo utaka, awa to sala kaboye. Mbongo oyo za kolia bande konangaye, oyebi place outite,
eko kangao na kingo. Tangu msuso zwa koteka ndebo moina yo. C'est ainsi que nous disons que si c'est à contact pro live, toza ko prévenir bino. Tote kamboka oyote. So ki mboke za ko kabwana kuna na este batu ba M23 balamuki kuna. Ce sont des signes de mauvaise gouvernance mboka na biso. Kuluna oyeza na kati ya Kinshasa. L'insécurité qui gangrène à Lubumbashi. Ezaba signe que mboka ezali malamu te. Alors il faudrait redéfinir notre pays et nous implorons à ce que tous les Congolais aient ça en conscience à Koloba. Tozala na esika moko. Toyokana, tovanda, tozali bandeko mboka oyeza mboka ya mutu te. Biso tokolekaka. Me mboka tozo tikela ngo bana na biso na ndenge nini? Na modele nini tokotika la mboka oyo bana na biso? Bana na biso bakoyaka kape na système ya kobundaka bundaka ensemble. Non. Non. Moi je ne pense pas que ce n'est pas ça, ça c'est la bonne idée. Alors, ici à Contact Pro Live bandeko na komiko chité parce que Contact Pro Live est là pour éveiller conscience ba o bazana mituna bo s'abonner nanu na chaîne. Abonnez-vous parce que tokenda kamalembe malembe ça ne se construit pas en un seul deux, en un seul jour ou bien makambunyo so boko comprendre en aucun émission mon côté. Abonnez-vous petit à petit, vous allez commencer à comprendre place nini ngo toza comme mabino. Ba oyo boza pe abonné bo partager émission pour que idée wana epanza na bande konangai. Idée o ya komona ya ko réveiller conscience ya congolais ya koloba. Nous ne voulons pas de dictateurs ou bien des hommes puissants ou bien des hommes riches pour diriger notre pays. Nous voudrons quelqu'un oyo akosangisa biso poto sala musala. Poto yeba mutoki nangai ezako bénéficier na congolais nyonso. Mutoki nangai ezako bénéficier kaka nangai moko te mais na congolais nyonso. Si je suis douanier, je représente la République démocratique du Congo, pas moi-même seul. So ki naza cuisinier, nazo représenter République Mobimba. Pas seulement moi, mais en second lieu bien sûr na kotire nani bénéfice na musala o nazo sale la mboka. Il faudrait que l'employeur soit l'État. Et pour ce que l'employeur soit l'État, pour que l'État nous paye bien, nous devons bien l'organiser pour que Moutounyoso a se retrouver. Makambounsousou, on a zakoloba awa, oyo, ezota la pona ba analyse, yaba candidat, naba candidat, ezana katia émission, otolobaka réaction grand format. So ki omoni vidéo eye na titre ya réaction grand format, wanande toza ko analyser sur les candidatures des personnes et tout ça. Contact Pro Life awa to eleva kaka conscience na bino poto meka koye bisabino rétrocession du pouvoir elingi koloba nini. C'est ça l'idée que nous voulions. Et puis nous proposions ça pourquoi? Parce que nous avions vu beaucoup de partis politiques. Imagine-toi, nous sommes 900 et combien de partis politiques. Désordre nini na ko agréer ba parti politique wana. Est-ce qu'ils ont rempli certains critères? C'est ainsi que solution haute zoloba awa ya 145 territoires, nous disions que nous pensions que elinga ke zalaka ezala place moko tango tokosala ba ensemble wana les états de lieu de chaque territoire tango tokosala draft ya constitution tolinga ki to définir parti politique nini yango kozala agréer et kozala na ba membres boni et kozala na représentation nini idéologie nango kozala ndenge. Mais aujourd'hui le désordre règne, on a agréé n'importe qui ailleurs à koloba à créer un parti politique, c'est ça qui est en train de tuer notre pays. Donc partagez vraiment l'émission pour que token de biso nous soyons ensemble, to yeba eloko nini ango tozo lukana pona mboka na biso. Et c'est ainsi que nous pourrons être à mesure ya ko gérer ya ko silisa kimuibi na mboka na biso et kozala moyen ya ko silisa corruption et kozala moyen ya ko implémenter bonne gouvernance parce que ce qui tokomi ko banga l'état. L'État est qu'on s'occupe na biso. Mais ceux qui tozo banga l'État, te, ceux qui tozo na l'État moko, oezali, l'État moko souveraine, te, toko zalaka na désordre bande konangai. Donc, j'espère que vous aviez compris et que vous aviez aussi appuyé sur la touche de notification pour que, tant on a zotia vidéo, eza suite. Yamakambo tozo loba awa rétrocession du pouvoir au niveau de la base. En tout cas, merci encore une fois de plus Nabatu Obazako encourager ngai. Merci encore une fois de plus Nabatu Obazako pesanga maboko, bazako tianga penza nani. Je vous rappelle encore une fois de plus nazana couleur politique te mais soki bomoni je suis de votre côté, côté à peuple. Nous parlons pour le peuple et nous nous battons pour que mboka na biso ezala organisé.
Voilà. Merci beaucoup. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.